Mimou, c'est pour qui ça, Mimou? C'est pour toi? Oui, c'est pour le Mimou. Allez, tu vas ouvrir mon chat. C'est ton petit cadeau de Noël en avance. Allez, mon chat. Viens. Allez, viens, on va l'ouvrir. Viens, petit chat. Allez, là. Viens. On ouvre ton cadeau. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième Vlogmas. On est lundi 21 décembre, il est 18h passé et ça fait une vingtaine de minutes que je suis rentrée. Voilà, ça se sent que c'est la dernière semaine, enfin même pas semaine, hein, mais que c'est les derniers jours, puisque j'ai pu partir à 4h20, ce qui en soi pas beaucoup plus tard, pas beaucoup plus tôt que d'habitude, mais quand même. Et en plus de ça, j'ai dû partir pile à la bonne heure. En plus, j'ai eu un métro tout de suite. Enfin voilà, tout s'est bien enchaîné. Ce qui fait que j'ai pu avoir... Je voulais prendre un train à 18h qui me serait fait arriver vers... Un train à 17h qui m'aurait fait arriver voilà, vers 18h. Sauf que j'ai réussi à avoir le train d'avant. Du coup, je suis arrivée à 17h40 à la maison. C'était parfait. Normalement, vous avez dû voir juste avant le petit clip voilà, de Fria avec sa nouvelle fontaine. Voilà, j'ai... Voilà, du coup, j'ai préféré lui reprendre une fontaine qu'au final d'acheter la pompe parce que... pour différentes raisons, voilà, bref. Du coup, je lui ai offert sa petite fontaine, hein, j'allais pas attendre, comment dire, le 24, hein, à la laisser avec un pauvre bol d'eau. Sachant que sa fontaine ne fonctionnait plus, enfin sa pompe ne fonctionnait plus depuis hier, j'avais réussi à la réparer la semaine dernière parce qu'elle fonctionnait plus. En fait, dès que je la débranchais, elle fonctionnait plus. Donc ça m'a saoulée. Là voilà, j'ai acheté une fontaine. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je la trouve un chouïa plus bruyante que la précédente. Ouais, un petit peu. Désolée, hein, j'écoutais. Donc un petit peu plus bruyante. Elle est plus grosse. On a eu des petits cadeaux avec. Il y avait le tapis. Il y avait des petites gamelles offertes pliables. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est qu'elle est beaucoup plus démontable que celle d'avant, donc pour nettoyer ça va être beaucoup plus simple. C'était surtout ça un des problèmes de celle d'avant, c'est qu'elle se démontait pas quoi, donc c'était relou. Bref, sinon bonne nouvelle, normalement je suis en vacances demain soir, donc je suis très contente, j'ai trop hâte. Et comme ça bah, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai à faire mercredi, je vais vous filmer des vidéos pour rattraper un petit peu mon retard. Je dois aller faire des courses parce que voilà, pour m'occuper de mes cheveux. Et peut-être faire aussi les derniers cadeaux de Noël, on verra. Voilà, donc j'ai tout ça à faire mercredi. Et après, bah, c'est le 24 déjà. J'ai trop hâte. Donc là, je vais aller vous préparer le Google Form pour le concours du 3e Vlogmas. Hein, puisque il fallait que je le fasse sur mon PC. Au boulot, je pouvais pas le faire. Et sur mon téléphone, je pouvais pas le faire non plus. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Comme ça, je vous mets le concours en ligne du... Voilà, concours qui sera encore ouvert au moment où vous verrez ce vlog actuel. Je laisse le concours enfin, ouvert 2 semaines, voilà. Bref. Donc je vais faire ça, ensuite je vais aller prendre une petite douche et on se retrouvera sûrement plus tard. Ce soir je termine enfin Les Oubliés de Dieu, il me reste 50 minutes. Voilà, je le termine, c'est comme ça. Donc je vais aller faire tout ça. Aujourd'hui j'ai mis mon petit pull avec les rênes qui a fait sensation au boulot. Tout le monde a dit que j'avais un super pull et tout, enfin bref, j'étais contente. Donc je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard.
risquer de trembler un petit peu. Il est quasiment 10h30, je viens de terminer Les Oubliés de Dieu de Ludovic l'Ancien. Et je vais pas vous en parler plus que ça tout de suite. Demain matin, je vais écrire. Enfin, demain dans la journée, comme j'ai pas énormément de boulot, je vais prendre quelques minutes pour écrire ma chronique pour Netgalley. Mais mercredi, je vous tournerai du coup l'update lecture où je vous en parlerai. Voilà, je vous en parlerai mercredi. Mais globalement, j'ai passé un super moment en lisant ce bouquin et je trouve. Ah, attendez, je vais. Voilà, je me pose sur mon genou. Et c'est assez particulier en fait d'avoir lu ce bouquin pile en ce moment, voilà. Mais j'en reparlerai du coup dans mon update lecture, voilà. Donc je vais vous laisser, moi je vais aller me lisser les cheveux et puis préparer mes affaires pour demain et aller faire un gros dodo, enfin un petit dodo. Mais bon, c'est la dernière. Donc ça va. Je suis en vacances. Qu'est-ce qu'il y a mon Mimou? Tu es content toi aussi que je sois en vacances? Oui mon bébé. Non, tu n'es pas content? Mon petit chat. Petit chat. Donc, ça y est tout le monde, je suis en vacances. On est mardi 22 décembre, il est 18h. J'ai réussi à avoir le même train qu'hier. Je suis rentrée assez tôt, sauf qu'il était un peu en retard, mais bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, ça y est, enfin je suis en vacances. Ça me fait bizarre en fait, ça fait un an que j'ai pas été en vacances, plus d'une semaine. Donc là voilà, je reprends le 4 comme la plupart des gens je pense. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Là je vais, j'ai beau être fatiguée, je vais aller me faire un mini apéro avec une petite bière et quelques chips, voilà, histoire de fêter les vacances. Et puis je crois que je vais me faire une petite partie de Parks. Voilà, j'ai envie. Je vais faire ça en me mettant à la télé. Voilà, je vais un peu me vider la tête ce soir. Je vais regarder Le Meilleur Pâtissier ensuite. Et demain matin, je vais à Auchan. Genre, ça ouvre à 7h30 là, avant les fêtes. Donc je vais y aller vers 7h45-8h. Hein, histoire qu'il n'y ait pas trop de monde. Hein, vu que sinon, je vais faire une crise d'angoisse. Bref, j'ai pas mal de choses à acheter et je vais nous faire un petit cadeau de Noël à moi et mon chéri. Un truc, c'est plus un truc utile qu'on a besoin depuis un moment. Et là, je me dis, allez, je vais sortir quelques chèques cadeaux et puis je vais mettre le reste. Et puis voilà, ça nous fera un petit cadeau. Surtout que c'est un truc que j'ai. Enfin, voilà, je vais m'en servir assez régulièrement, je pense. Bref. Du coup, je vous laisse et je. Oui, j'ai lu aujourd'hui Le Berger de l'Avent. De Gunnarsson. Je pense que j'aurais pas dû le lire là, je suis complètement explosée et je l'ai fini dans le train là sur le retour. J'arrêtais pas de m'endormir en fait sur le livre. Alors non pas que ce soit mauvais, hein, pas du tout, l'écriture était très belle, mais j'ai un peu survolé à certains moments et en plus de ça je pense qu'il y a plusieurs degrés de lecture à avoir et moi là j'étais clairement premier degré, c'était pas le genre de lecture qu'il me fallait là tout de suite, mais bon bref, je l'ai lu entre guillemets, je le relirai sans doute un jour hein, parce que voilà je pense que je l'ai pas assez bien lu, voilà, mais je vais vous montrer du coup maintenant ma prochaine lecture qui sera beaucoup plus premier degré je pense. Du coup je vais commencer, alors peut-être pas ce soir, plutôt demain, Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. Voilà, il fait un peu moins de 250 pages, donc voilà, ça va être ma lecture jusqu'à Noël je pense. Et ensuite peut-être que je repartirai vers du thriller, puisque j'avais mis dans ma pale hivernale Le Cri, et j'ai vu que Sophie de la chaîne et du compte Insta L'Heure du Thriller l'avait lu et qu'elle l'avait adoré. Du coup, j'ai très envie de le commencer là, voilà. Donc je vous laisse et on se retrouve plus tard. Bien, je vous ai pas encore pris aujourd'hui en facecam, donc il est temps, il est midi et quart et on est le 23 décembre, donc premier jour de vacances pour moi. Donc comme vous avez pu le voir, le Père Noël est déjà un petit peu passé, en tout cas pour nous déposer quelque chose, enfin c'est moi le Père Noël en l'occurrence, vu que c'est moi qui ai voulu nous faire un cadeau à moi et mon chéri, même si bon,
Techniquement, c'est moi qui vais plus m'en servir. Hein. Donc, c'est une imprimante. Voilà, ça fait des années que j'ai pas d'imprimante et je suis toujours obligée d'imprimer au boulot. Ou... Enfin, bref, c'est toujours un petit peu chiant. Donc là, je me suis dit, allez, il est temps de se prendre une imprimante. Donc, je suis allée la prendre. Je suis allée à Auchan, elle y était en plus. Et le mieux du mieux, c'est que quand tu l'achetais, donc elle était à 70 euros, il y avait 10 euros de reversé sur notre cagnotte Auchan. Donc tant mieux, c'était cool. J'ai mis aussi quelques petits chèques cadeaux et voilà, du coup maintenant on a une imprimante, c'est bon, elle fonctionne. Et j'en ai profité pour faire quelques petites courses de trucs qui manquaient. J'ai pas trouvé de cadeaux il me manque encore quelques petits cadeaux. Donc on va aller après manger avec mon chéri faire un tour dans notre centre-ville. J'allais dire parce que maintenant il fait beau, bon non. En tout cas, il pleut plus. J'espère qu'il va pas se remettre à pleuvoir d'ici qu'on parte, sinon ce sera un peu con. Bref, c'est pas grave. On a quelques petits magasins à faire et puis voilà, on verra bien. Regogo tout le monde. Je ne sais pas si ça se voit, sans doute. J'ai pris le vent, mes cheveux ne ressemblent plus à rien, mais c'est parfait. Vous voyez, ils sont bien parfaits pour faire ma couleur. On vient de rentrer, on a fini tous nos cadeaux avec mon chéri. Ouf, il reste quelques-uns à emballer puisque certaines boutiques emballaient pas les cadeaux. Donc j'ai trouvé un deuxième cadeau pour ma maman. Au moins je me dis en plus si le premier cadeau arrive en retard, au moins j'aurai un petit cadeau, un second cadeau, bref. J'ai trouvé un cadeau pour ma tante, pour le mari de mon autre tante. On a trouvé des cadeaux pour les grands-parents de mon chéri. Et voilà. C'est tout niveau cadeau. Et ensuite, j'ai repris un deuxième cadeau pour mon chéri. Je lui ai pris ça. Donc c'est une extension du jeu Munchkin. On a découvert ce jeu avec des amis et mon chéri a vraiment adoré. Et du coup, pour Noël, de la part de ma mère, il va avoir au moins le jeu de base et peut-être une extension. Et du coup, moi j'ai décidé de lui prendre l'extension de Noël. Voilà, donc je vais l'emballer et il l'aura quand on fera Noël avec ma mère. Puisque de toute manière, ça sert à rien qu'il l'ait demain. Parce qu'il n'aura pas le jeu, donc voilà. Et du coup, pour nous, je nous ai pris un jeu que je voulais depuis un moment, qui est Exploding Kittens, donc qui est un jeu de cartes, où, je sais pas, en tout cas, ça faisait un moment que je le voulais. Mon chéri a lu un petit peu le résumé derrière, ça lui a plu, je me suis dit, allez, on va se prendre ça. Donc c'est un jeu pour jouer de 2 à 5, et si on achète, il y en a un deuxième où il y a marqué plus de 18, où en gros c'est un peu le même jeu mais avec des cartes un peu plus trash, et on peut mélanger les deux jeux pour jouer jusqu'à 9, donc ça c'est cool. Donc voilà, on va tester ce soir en se prenant l'apéro. Et du coup j'ai acheté ces jeux dans une boutique qui s'appelle City Geek, voilà. Et on s'est pris des masques avec mon chéri. Donc mon chéri s'est pris ce masque là de Naruto. Voilà, il a sa coque de téléphone avec les mêmes trucs. Enfin voilà, il va être tout coordonné. Et moi j'ai pris des petits masques Friends, parce que moi il y en a deux, lui il y en a qu'un. Et je vais les ouvrir du coup. Donc des petits masques Friends. Je crois que c'est les deux qui sont pareils. En plus ce sont des masques réglables, vous voyez, avec des petits... petit truc réglable comme ça, donc c'est parfait pour moi avec ma tête d'enfant. Ouais, les deux sont les mêmes, mais j'ai trop aimé les motifs. C'est de vous. Voilà. Voilà, il y a le canard, il y a des dessins qui représentent assez bien Friends, et puis il y a des petites citations. J'ai réussi à remettre le truc, et voilà. Clairement, il y a marqué adulte masque dessus. Moi, j'ai une petite tête, hein. Les masques chirurgicaux, je suis obligée de faire un double tour au niveau des oreilles, sinon c'est trop grand. Et là, clairement, il faudrait pas que je sois plus grande, quoi, parce que... Enfin, que j'ai pas une plus grosse tête, parce que ça passerait pas. Mais là, c'est pile... J'ai l'impression d'avoir un masque fait pile pour mon visage. Bon, je vais les laver, même si ça sent le plastique neuf, et j'adore l'odeur. Je pense que c'est à cause de la pochette. Mais voilà, bref, du coup, je suis très contente de mes petits masques. Donc là, je vais aller m'occuper de mes cheveux. Et ensuite je pense que je vais faire un petit peu des paquets cadeaux encore. Et voilà. Bref, je vous retrouve plus tard. Je pense pas que je vais me refilmer aujourd'hui, tout à l'heure. Je pense que je me coifferai demain et que je vous reprendrai à ce moment-là, histoire de voilà. Que vous me revoyez directement avec mes nouveaux cheveux, mais bien coiffés directement.
ça donne. J'ai pas mal coupé. Je sais pas ce que ça donne lisse parce que bon, mes cheveux ils sont pas 100% lisses. Et là je les ai un petit peu bouclés en plus. Voilà, je suis un peu déçue de la couleur par contre parce que, comment dire, je pensais que ce serait plus foncé. Peut-être que ça se voit pas à la caméra, je sais pas. Désolée, je me regarde dans le retour. Hein. Donc voilà, je voulais juste vous montrer, là je vais aller filmer du coup l'update lecture parce que sinon je vais jamais le faire et voilà. Mais juste je voulais vous montrer, j'ai reçu un truc que j'ai commandé qui est arrivé pile au bon moment. Tidi, je me suis commandé une coque pour mon cadeau de ce soir. Et je la trouve trop jolie. Donc voilà le devant de la coque. Et après voilà derrière elle est transparente, un petit peu, pas totalement transparente, vous voyez elle est transparente comme ça, je sais pas comment on dit. Bref, j'ai trop hâte d'être ce soir. Bref, je vais filmer cette vidéo avant qu'il fasse nuit, hein, et que vous n'ayez jamais cette update lecture, parce que clairement si je la filme pas aujourd'hui vous l'aurez jamais. Je vais vous m'y mettre et on se retrouve plus tard. Ou après, je sais pas si je vais vous reprendre réellement, mais je vous ferai des plans un petit peu. Et je sais pas si je vous reprends demain matin pour vous montrer mes cadeaux que j'ai eu hier ou pas. Parce que demain, si demain, en plus demain midi, on va dans ma famille, donc j'aurai quelques cadeaux, même si je pense que j'aurai plus des sous. Et après, samedi aussi, j'aurai... sûrement des petits cadeaux de ma maman. Donc je sais pas ce que je fais. Bref, je verrai selon l'humeur. Je vous laisse, je vais filmer cette vidéo, sinon je vais jamais m'y mettre. Et je vous retrouve plus tard. Ça y est, j'ai fini de filmer mon update lecture. Je vais pas du tout le monter tout de suite. Hein. Je le monterai sans doute demain soir. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Faut que je le monte demain soir. Donc là, il est 16h15 et il nous reste 2h30 avant de partir. Je déteste ces dernières heures avant le réveillon. J'ai trop envie d'y être. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais essayer de m'occuper jusqu'à ce qu'on doive partir. Et puis voilà, je vous ferai des petits plans de la soirée si je peux. Voilà, histoire de vous montrer le sapin, les cadeaux, enfin voilà, des petits plans. Et sinon je pense que je vous retrouverai demain matin. Joyeux Noël, on est le 25 décembre, il est 9h15, ça y est je viens de me lever parce que qu'on partait à 11h aujourd'hui. Du coup, petit déj, je vous montre ça, pas parce que c'est très intéressant, mais je n'aime pas les clémentines. Et je me suis dit pour 2021 qu'il fallait que je me mette à manger plus de fruits, et surtout des clémentines en hiver. Parce que tout le monde mange des clémentines tout le temps. Et je me dis que ça peut être pas mal pour remplacer un dessert. Vu que clairement j'aurais plus trop le droit à des desserts. Donc faut que j'essaye de m'y mettre. Et j'adore le goût mais j'aime pas en fait. En fait moi j'ai un problème avec la mâche, avec les fruits. La mâche, le fait de mâcher, hein, pas la salade. Bref, je suis fatiguée, je vous dis n'importe quoi. Je vais prendre mon petit déj, je vais vous montrer après vite fait mes cadeaux. Et après j'irai me préparer pour ce midi. Re-coucou tout le monde et cette fois vous me retrouvez avec du soleil. Voilà. Je suis toujours en train d'essayer de manger ça. Je sais pas, j'adore moi le goût, hein, quand je croque et qu'il y a le jus qui sort c'est super bon. Mais après toute l'enveloppe, là, il reste que ça dans ma bouche à la fin. J'ai l'impression de manger du plastique. Voilà bref. C'est compliqué. Donc, sinon, je vais vous montrer mes cadeaux. Donc, le premier cadeau, là, vous dites qu'est-ce que c'est. Enfin, bon, je pense que vous devinez. Tadam ! Un petit iPad. Bon, ça, c'est mon cadeau de moi à moi. Je vous l'avais montré. Mais voilà, ça y est. Enfin, je peux faire mes muses avec. Même si hier soir, vous voyez, j'ai commencé. Je me suis pris mon Procreate, bien sûr. Et après je savais pas quoi prendre parce que je me suis dit je vais pas prendre
certaines... Enfin, je ne vais pas prendre mes mails, je ne vais pas prendre Facebook, je ne vais pas prendre ce genre de choses, parce que je les ai sur mon téléphone. Je ne vais pas m'en servir sur l'iPad. Je me suis pris YouTube, Procreate, et je me dis, je vais peut-être me prendre quelques jeux. Mais je me suis un petit peu retrouvée comme la première fois quand j'ai eu un iPhone et que je ne savais pas quoi en faire. Voilà, parce que pour dessiner, c'est sûr que ça va être génial. Mais pour l'instant, je vais encore faire pas mal de tutos pour bien me perfectionner. Et du coup, bah, j'allais pas faire des tutos hier soir. Bref. Du coup, cadeau de mon chéri. Tididi. C'est le Apple Pencil. J'avais pas fait gaffe, mais j'ai vraiment... Enfin, je me suis mal démaquillée hier. Bref. Et du coup, Apple Pencil, iPad. Tada! Et c'est comme ça que ça charge. Je fais quoi avec le rideau, Freya? Ensuite, bon, ça c'était un cadeau de nous à nous, un nouveau jeu qui s'appelle Bosque, une histoire avec des arbres et des feuilles et des saisons. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Donc, tant qu'il est là, je vous le montre. Mon chéri a eu ça aussi. En plus, il a eu, enfin, c'était son petit cadeau en plus. Il a eu son Apple Watch auquel j'ai participé et des écouteurs sans fil, mais pas des Apple. Les parents de mon chéri m'ont offert, j'avais fait une liste et ils m'ont offert le truc que j'ai préféré dans toute la liste. Un sac. Voilà, alors c'est un sac des Iguales. Je suis pas spécialement une fan de cette marque, mais je trouve que ce modèle est particulièrement beau et il fait pas trop des Iguales. Bon, il y a les broderies, mais les broderies sont très jolies, elles sont pas multicolores. Et ce sac est juste génial, il y a 15 milliards de poches. Je ne suis même pas sûre d'avoir encore découvert toutes les poches. Donc il peut se porter main, il peut se porter en bandoulière et il y a une autre bandoulière pour se porter juste sur l'épaule. Voilà, j'ai pas les mots pour ce sac, il est magnifique. Je me suis bien évidemment offert mon deuxième cadeau de moi à moi. Donc mon bracelet, les Georgettes. Que je vous avais montré dans un précédent vlog. Mais je vous le remontre. S'il veut faire le focus dessus. Non, il veut pas. Voilà. Et ensuite, mon chéri m'a fait aussi un autre cadeau, un t-shirt, mais je l'ai pas sous la main, je vous montrerai. C'est un t-shirt de sport Adidas avec du rose gold dessus. Du coup, voilà, je le mettrai sans doute pour faire mon petit yoga. Donc voilà, j'ai déjà été très gâtée. Et ce midi rebelote. Mais bon, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte surtout d'offrir mes cadeaux. Il faut que je vous montre, j'ai reçu le cadeau. Enfin, hier j'ai récupéré les cadeaux chez mes beaux-parents qui me manquaient. Parce qu'en fait, on a tout fait livrer là-bas. Puisque nous, on a des problèmes de colis. Et du coup, pour ma grand-mère, je lui ai pris ce livre. Qui s'appelle Mamie, parle-nous de toi. Et c'est en fait un livre où il va y avoir plein de questions. Par exemple... Qui étaient tes meilleurs amis pendant ta jeunesse? Peux-tu nous raconter quelques anecdotes sur tes amis d'alors? Raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs avec ta mère. Il y a plein de questions comme ça sur l'enfance de la grand-mère, sur sa vie en général. Donc je suis très contente de lui offrir ça, même si j'ai un petit... Ça me fait un peu flipper parce que, en fait, ma grand-mère... n'a pas connu sa mère et en fait elle a été élevée par son père et par sa belle-mère qui était une femme affreuse apparemment. Du coup je me dis les questions sur la mère, bon, je lui dirais de pas répondre à tout. Et autre petit point aussi qui me... Mais bon, j'avais vraiment envie de lui offrir ça. Autre petit point, c'est les questions vis-à-vis de mon père, vu que mon père est décédé. J'ai peur, j'ai pas envie que ça ravive des trucs. Donc j'espère que ça va aller. Mais je dirais, si tu te sens mal à l'aise avec une question, n'en parle pas en fait. Il y a toute une... il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie sur l'école, catégorie avec papy, catégorie sur les petits-enfants, donc moi en l'occurrence. Quelle est ton anecdote préférée parmi les moments que tu as passé avec tes petits-enfants? Qu'est-ce que tu aimes et apprécies le plus chez tes petits-enfants? En gros, ça va être un petit peu une éloge à moi ce chapitre. Bref, donc il faut que je m'occupe de... Qu'est-ce que tu fais, Freya? D'emballer ça, mais d'abord je veux rajouter un truc dedans.
J'avais imprimé au boulot, bon c'est la même, mais une photo avec ma mamie et je vais la mettre dedans. Voilà. Bref, il faut que je vais m'occuper de ça, me préparer, parce qu'on part dans 1h30 et je vous retrouverai sûrement en facecam ce soir. Je vous montrerai peut-être mes cadeaux et j'essaierai de vous faire des petits plans dans la journée. Voilà. Décembre, il est 17h30. Ma maman et son copain viennent de repartir il y a pas très longtemps. Voilà, je vous ai pas pris tout ce matin ni hier soir. J'ai pas trop eu le temps. Normalement, je vous ai fait des petits plans de la journée d'aujourd'hui et d'hier. Voilà, je vous montrerai un petit peu plus tard d'autres cadeaux que j'ai eu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Là, je vais aller m'attaquer à faire la vaisselle. Et après je pense que je vais me faire une soirée dessin parce que j'ai toujours pas pu dessiner depuis que j'ai mon iPad. Donc soirée de dessin et lecture parce que pareil le cri au final je l'ai pas commencé. Du coup voilà je pense que je vais faire ça. Demain rebelote encore un repas de Noël toute la journée avec les grands-parents de mon chéri et enfin d'autres gens avec qui on n'a pas fait Noël. Et on revoit quand même aussi ses parents. Et du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer ce que j'ai eu hier et aujourd'hui. Et voilà. Et demain, du coup, ce sera le dernier jour du vlog. Au final, je ne sais pas si le vlog sera très très long puisque j'ai pas spécialement le temps de vous prendre réellement là ces derniers jours de Noël qui sont des jours au final assez remplis et où j'ai pas vraiment le temps de filmer. Je viens de passer une heure et demie, je sais pas, à dessiner. Du coup, j'ai tout d'abord dessiné ça. Ça va être chiant pour faire le focus. Focus là-dessus, gars. Voilà. Premier dessin.
Et là, je viens de passer un certain temps à faire ce qui va y arriver. Voilà, en fait, il faut pas qu'il voit ma tête. À faire ce dessin d'œil. Ça rend trop bien, je trouve. Je trouve ça super joli. Voilà. Bref. Donc, je suis bien contente d'avoir dessiné tout ça. Je sais pas si je vais redessiner ce soir. Je suis pas sûre. Quoique. Bon, là, je vais aller nous préparer un petit peu à manger avec mon chéri. On n'a pas spécialement faim. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai une envie subite de manger des patates écrasées avec de la crème et du sel. Voilà. Mais sinon, j'ai pas très faim. Mais bon, comme le temps que j'épluche les patates et que je les fasse cuire, ça sera pas prêt avant presque une heure. Donc, on a le temps un petit peu d'avoir un petit peu plus faim. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je vais sûrement après manger, aller lire, voilà, aller enfin commencer le cri. Et enfin, je verrai parce que d'un côté, j'ai bien envie de dessiner encore. J'ai bien aimé ce moment de. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu comme je pense celle qui, si vous faites du coloriage, ça vous vide la tête. Et ben, c'est un petit peu la même chose avec le dessin sur Procreate. Ça vide complètement la tête, on ne pense à rien, on est concentré sur ce qu'on fait et c'est vraiment un moment de à soi pour prendre soin de soi et c'est vraiment super agréable. Voilà, du coup je vais vous laisser et je vais aller préparer mes patates. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, dimanche 27, il est 10h15, je me suis levée à 10h. Genre le truc qui arrive jamais. Je suis trop contente de m'être levée aussi tard. Si vous entendez des bruits chelous, c'est le vent. Parce qu'apparemment il y a une tempête actuellement. Enfin, je dis apparemment, mais ça s'entend. Donc voilà, ouais, je viens de me lever il y a un petit quart d'heure. Je prends mon petit déj, petit actimel, un petit peu de tourteau fromager, un gâteau qui vient de chez mes grands-parents encore une fois, du Poitou. Et voilà, je vais me poser un petit peu, jouer sur mon papad. Oui, je dis papad. Et mon tuto ou quoi? Ouais. Je me suis pris SimCity sur l'iPad. Bref. Je vais jouer à ça. Et faut qu'on parte vers 11h moins le quart. Midi moins le quart, je crois. Du coup, j'ai une heure et demie avant qu'on parte. Faut que je me prépare, que je me coiffe, que je me maquille, que je m'habille. Et si j'ai le temps, j'essaie de lire un petit peu parce qu'hier soir c'était lamentable. J'ai lu un chapitre. Alors les chapitres sont une vingtaine de pages. Ouais, à peu près. Mais c'est ridicule. Parce qu'en fait, bon, j'ai traîné. Je cherchais en fait un vêtement. J'ai cherché sur plusieurs sites. Sur Vinted et tout, je trouve pas ce que je veux une parka beige, un petit peu comme celle que j'avais avant, j'avais une parka de chez Pinky, mais là la fermeture est cassée et en plus pour l'instant la parka est trop petite, mais j'arrive pas à trouver ce que je veux, ça m'énerve. Et après en fait, donc après avoir fait un œil bleu, bref ça m'énerve, j'ai fait un œil marron, voilà, pour m'occuper. Parce que j'avais bien aimé dessiner des yeux. Et après, j'ai commencé à reprendre ce dessin que, voilà, je fais. Voilà, je fais du calque d'une affiche que j'ai dans ma chambre. Sauf qu'au début, j'ai essayé de la faire assez similaire au niveau des textures par rapport à l'affiche. À la fin, ça m'a saoulé. J'ai fait fuck, je prends mes textures, je vais en faire un petit peu ce que je veux. Bref, tu veux te calmer, Freya? Je vais prendre mon petit déj, je vais jouer à SimCity. Et voilà. Et je pense que je vous retrouverai sûrement ce soir un petit peu pour vous montrer du coup les cadeaux de Noël et clôturer le vlog. Je ne sais pas encore si je vais en commencer un autre demain. Non, Freya fait des trucs chelous. Donc je ne sais pas encore si je reprends pour la dernière semaine de vacances. Je vais voir. Sachant qu'il faut que j'essaie de vous filmer un max de vidéos aussi la semaine prochaine. Bref, je vais voir comment je me débrouille et voilà, bref, je vous retrouve ce soir.
Re-coucou tout le monde, il est 20h46, on est toujours dimanche 27 novembre. J'étais en train de terminer le montage du vlog, enfin sauf là les dernières vidéos que je vais vous faire ce soir. Je vous reprends parce qu'il faut que je vous montre mes cadeaux de Noël quand même, je ne vous l'ai pas fait hier. Déjà aujourd'hui, on est allé en fait dans la famille de mon copain, son oncle et sa tante maintenant qu'ils sont mariés, sa tante. Nous avons offert à tous les deux une smart box pour un week-end, enfin une nuit dans une nuit insolite, voilà, avec petit-déj et repas. Ça va être, franchement, c'est super cool. J'ai trop hâte. J'ai commencé à regarder et tout, mais de toute façon, j'ai pas spécialement envie de réserver un truc pour le moment. C'est pour que je réserve au mois de mars et qu'on soit encore en confinement ou en couvre-feu ou je ne sais quoi. C'est pas très intéressant. La smart box est disponible, enfin est valable jusqu'en 2024, donc ça va, on a le temps. Sinon hier c'était avec ma mère, je vais vous montrer le cadeau qu'elle m'a fait. Donc ma maman m'a offert ce jeu, donc qui est Seven Wonders, un jeu dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui a reçu plein de prix, qui est vraiment super connu. Par contre on peut pas y jouer pour le moment parce qu'il faut être au minimum 3, donc on va attendre que nos copains reviennent de vacances pour le tester. Mais voilà, j'ai très hâte de pouvoir le tester. Donc ça me fait encore des jeux, sachant que j'ai très envie d'aller on a une boutique de jeux qui a ouvert à la fin du deuxième confinement, qui est 15-20 minutes de chez nous en voiture. Et j'ai juste envie d'aller là-bas et de me racheter encore des jeux. Catastrophique. Et du coup, avant-hier plutôt, j'ai eu essentiellement des sous. Bon, après j'ai eu des petites babioles, mais bon, je vais pas forcément vous les montrer. Mais j'ai eu surtout des sous, donc je vais en mettre une partie sur mon compte. Et j'ai déjà pré-acheté quelque chose. Je vous avais dit que je cherchais une parka beige. Et finalement, j'ai changé d'avis. J'ai pris une parka bleue. Avec une écharpe... où il y a un petit peu de bleu et de moutarde dedans. Elle est super jolie. En fait, je l'ai vue sur une copine. Et j'ai kiffé. Du coup, voilà, je l'ai prise. Et voilà, donc j'ai commandé ça sur le site Bonobo. Je vous montrerai quand ça arrivera. Enfin, dans le prochain vlog, du coup, si je le fais effectivement. J'ai toujours pas réfléchi de savoir si je le fais ou pas ce prochain vlog. Bref, j'ai pris ça du coup avec mes sous de Noël. Je vais en mettre de côté. Et... je pense qu'on va aller mardi, je vous avais dit mardi on doit aller voir pour peut-être changer de voiture, et c'est pas très loin de là où j'habitais avant. Et là où j'ai habité avant, il y a un gigantesque centre commercial qui a ouvert il y a quelques mois avec un Primark dedans. Donc on va peut-être faire un détour par là. Donc je vais peut-être garder, bon si vous bougez c'est Freya qui se frotte au pied de l'appareil. Je vais peut-être garder des sous pour aller à Primark, acheter des pyjamas, j'ai besoin de pyjamas. Et sans doute des conneries, hein, parce qu'à Primark on achète toujours des conneries. Et voilà. Du coup là, comment ça va un petit peu faim avec mon chéri, donc on va se faire un petit repas léger. On a récupéré du roast beef de ce midi, il nous reste de la salade, donc on va peut-être se faire ça. Et ensuite j'irai prendre ma douche, voilà. Et après ça va être, je vais terminer le montage du vlog. Je me suis sélectionné 2-3 vidéos que je veux regarder de dessin, enfin de tuto plutôt. Et ensuite il faut que j'aille lire Le Cri, voilà, que je dépasse quand même les quelques chapitres de lui, quoi, parce que c'est un peu ridicule. En ce moment ouais, je lis pas du tout, je sais même pas si je vais avoir fini pour la fin de l'année Le Cri. J'espère. Donc voilà, bref, je vais vous laisser... Non, je pense pas que je vais refaire de plan, je pense que je vais clôturer le vlog là. C'est très probable que je commence un autre vlog pour la semaine prochaine. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Là, vous verrez la vidéo lundi. Et normalement, vous aurez la vidéo de mes meilleures lectures mercredi. Et samedi, la vidéo des sorties livresques de janvier. Voilà. Je vous laisse et du coup, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut!